Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va parler de la composition probable de Paris Saint-Germain vs l'OGC Nice. C'est composition normale, je vous le dis. On va commencer pour laisser le suspense par Nice, que Paris normal. Alors, Nice vont commencer en 4-4-2. Avec Schmeichel au goal, le goal qui est tout le temps là, qui nous a fait très très mal face à l'équipe de France. Brent, je ne sais pas qui c'est. Dante, lui c'est exceptionnel. Il avait les ligaments croisés, il est revenu à 38 ans, il est aussi fort. Viti, Lautomba, Diop, qui a signé de Nice. En provenance de Monaco, Beka, Thuram et Nicolas Pepe. Après, on va passer pour les attaquants. Gaëtan Laborde et Andy Delors. Bon, c'est une composition normale pour Nice, pour moi. Et aussi, Todibo suspendu parce qu'il avait fauché un mec. Au bout de la 5e seconde ou 10e, je m'en souviens plus. Donc voilà. Après, on va commencer par les absents au Paris Saint-Germain. Ah bah, on va commencer par les blessés ou suspendus. Kimpembe blessé et Marco Verratti suspendu. Il n'y a aucun de... Donc voilà. Au goal, malheureusement, Donnarumma. Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira. Après, on a Hakimi. Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes, Messi, Mbappé, Neymar. Alors, pour moi, c'est la composition de tout le temps. À part, il y a Mike Kimpembe et Verratti. Pour moi, il y aura, vu le début de saison, 4 ou 5-1 pour le Paris Saint-Germain. En sachant que Nice... Ils font pas un très bon début de saison. Je vais vous dire ça tout de suite. Attendez. Wesh. Ouais, bah ouais. Comme par hasard, que tu veux un truc, ça bug. C'est bon, je l'ai. Attendez. Deux petites secondes. Nice. OGC Nice. Je crois qu'ils sont 10e, 11e. 13e. Ah oui. Donc, 5-1, moi je vous dis à la prochaine, ça sera à demain pour une nouvelle vidéo. Non, à dimanche pour une nouvelle vidéo réaction parce que sinon je peux pas la tourner, ça met trop de temps et il pleut, bref. Je vous dis à dimanche, ciao.